Cette émission est une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. Cette semaine à Passion Auto, on est au garage Fitzback à Sainte-Madeleine pour parler restauration de voitures de collection. On a également notre chronique historique, mais d'abord, on va rejoindre Johan et son essai de la semaine. La Ferrari 400, l'une des Ferrari les plus rares qu'on puisse trouver. La première Ferrari qui pouvait être dotée d'une transmission automatique. Et grâce à nos contacts super efficaces et notre équipe de feu chez Passion Auto, on a trouvé une Ferrari 400. On est too big. Une Ferrari... C'est une better. Ben, je savais. C'est une voiture qui vient de... Allemagne. Ouais, c'est une SC. SC 1985. On coupe, on reprend. Une Better SC 1985. Encore plus rare qu'une Ferrari 400. Dindan! On peut-tu garder ça? Même si sa carrosserie présente plusieurs similitudes avec la Ferrari 400, la Better SC est une toute autre chose. La mécanique de la Better est allemande, son design est italien et elle est assemblée en Autriche. Parlez-moi de ça, une voiture internationale! Pas mal mieux d'avoir le design italien avec la mécanique allemande. Juste de même. Puis je nommerai pas de nom. Chrysler TC. L'histoire de la marque Better est intéressante. En 1973, M. Better, un ancien coureur automobile allemand, décide de partir sa propre marque qu'il appelle Better. On l'a. La bonne take, ça. La première Better est la CD, un hatchback dérivé d'un Opel avec une mécanique de Chevrolet. En 1979, M. Better en remet une couche avec la SC Coupé, aussi dérivée d'un Opel. La SC Coupé est une voiture encore plus exclusive que la Ferrari 400. Outre les 461 Better SC Coupé, il y a aussi eu 22 SC décapotables et 5 modèles 4 portes. Ça, c'est aussi rare que de la barbe de pape. Et j'ai bien dit barbe de pape. Petit cuir rouge, là, même, là. Pas banal. Premier look, quand on arrive dans la Better SC, on a vraiment l'impression d'arriver dans un bordel espagnol des années 20. C'est cosy, ça sent le s***. Alors, côté rareté, je vais vous parler d'un peu de chiffres. Des SC manuels, il y en a 40 dans le monde. Des Better SC au Québec, il y en a une. C'est elle. Donc, si on prend juste les Better SC manuels, il y a plus de Tucker dans le monde que de Better SC, qui est quand même pas banal. Et pour finir, il y a seulement 8 Better SC dans le monde qui ont un toit ouvrant. Alors, je peux vous dire la rareté de la patente ici. Là. Fait que la Ferrari 400, là, regardez, c'est caché. Poubelle italienne. Pauvre gars qui a une Ferrari 400 qui pleure en ce moment, qui se dit maudit, j'aurais pas eu une Better à la place. Bon, on est collé avec ça. Bon, je vais vous parler un peu de la mécanique. C'est un 6 en ligne, c'est un moteur Opel. Le moteur originalement, c'est un 3 litres, mais qui a été machiné pour donner plus de performance, surtout du torque à la voiture. C'est Munzel, qui est un préparateur de voitures de rallye, qui faisait les moteurs. C'était des 3 litres. Lui, il montait ça à 3.9. C'est du machinage dans les têtes, en gros. Donc, le moteur se ramasse avec plus de torque, mais en contrepartie, la révolution moteur, ben, vous dépassez pas 5000 tours minute. Sinon, les rods vont partir d'un bord, les cams de l'autre. Alors, c'est non recommandé. C'est une 85 de 140 000 km. Sincèrement, là, c'est droit. La suspension est encore ferme. Bon, c'est une voiture qui est entretenue, mais Pierre, le propriétaire, il a pas mis d'argent dedans. C'est un survivor. Il l'a acheté comme ça. Oui, il y a des graphings. Oui, elle n'est pas mint, mais au moins, elle est originale de A à Z. Même le moteur, vous voyez le moteur, il n'a pas fait de detailing. Il est comme ça, là. C'est une voiture qui vient de la Californie. Alors, elle n'a jamais connu une borde de neige. C'est une Better, c'est un ramassis de plein de pièces. On a des lumières
avant, qui vient d'une Ferrari mondiale. On a des moteurs de lumière escamotable qui viennent d'une Porsche 944. On a des éléments GM à pu finir. On a des injecteurs BMW. On a un moteur d'Opel, une carrosserie italienne. Alors, je vous dirais que Pierre a vraiment trouvé un petit réseau pour aller chercher des pièces un peu partout, dont une personne aux États-Unis que lui, ben il profite de ses 7 betters dans sa cour puis qui vend des pièces le quintuple du prix. Ça doit être le bordel quand la seule voiture au Québec, c'est toi qui l'as. On est loin de monter une Honda Civic 92. Là. Pour l'intérieur, on a les bancs chauffants. On a un petit socket de 12 volts. La climatisation est située de chaque côté. C'est assez bizarre. Tu le vois pas, là. Faut vraiment que tu te penches pour aller voir tes boutons. Ou... On a le fameux radio Blue Punk, hein, très commun dans ces années-là, dans les voitures allemandes. Tout est carré, les cadrans semi-numériques, les boutons poussoir comme ça en plastique. Je veux dire, c'est évident qu'on est en 1980. Le klaxon, pas d'airbag, avec le loco Better. Avec un petit klaxon européen, c'est donc bien cute. Hop, oh, ça aussi, c'est un klaxon. C'est beau. OK, fait que là, c'était trois doigts. Je sais pas pourquoi il y a des trous ici. Je sais pas si le monde klaxonne de même. Bref. Il y a aussi, c'est logeable à l'arrière. Si vous voyez, la voiture est quand même assez longue. Bon empattement. Alors, vous en allez avec la petite famille, là, puis c'était pas gênant à cette époque-là. J'ai des petites anecdotes à propos de la voiture. C'est Ed Swart, le pilote automobile Ed Swart, qui importait les voitures en Californie pour les distribuer. Alors, il y avait un contact direct avec M. Better. Et quand M. Better a décidé de tirer sa plug pour les modèles, Swart a dit « Hey, Baquet, tu vas me faire plaisir, tu vas me prendre une voiture, tu mets la main blanche, tu me mets ça full load, tout ouvrant, manuel, puis tu vas me renvoyer ça comme dernière voiture. » Cette voiture-là est rendue ici. C'est elle que je conduis en ce moment. Alors, Ed Swart a déjà mis ses mains sur ce volant-là avec la femme volée de Jim Clark à côté. Après le retrait de la SC en 1989, la marque Better s'est pratiquement éteinte. Elle est revenue sur le marché en 2007 avec la Vero, une Holden Caprice plus somptueuse. Aujourd'hui, Better transforme des produits Opel et en fait des voitures de grand luxe, produits en très petite série, distribués en Europe. Alors une Ferrari 400, c'est bien, mais une Better, c'est better, non? Ben arrête, Pierre, tu me dis des jokes de mon oncle depuis tantôt. Là, j'en dis une, puis c'est toi qui réagis. Une Ferrari 400, c'est bien, mais une Better, c'est financièrement moins amer. Oh, Miller. Ouais. Ça part. Oh, ouais. On peut finir ça là-dessus. On la garde de même? OK. OK, c'est bon. Ils l'ont-tu l'affaire, les Italiens? Mettre du cuir partout. Après ça, ils disent que c'est du gros luxe. Mais vrai que c'est pas laid. Aujourd'hui, on se retrouve dans les ateliers du garage Fitzbach à Sainte-Madeleine. On est avec André Fitzbach. Salut André. Bonjour. Guy Haché. Salut. Merci. Guy. Bonjour. André et son équipe se spécialisent dans la restauration à l'origine des véhicules d'époque. C'est né comment, Fitzbach Garage? Ben, j'ai toujours eu une voiture ancienne depuis l'âge de 18 ans. Fait que t'étais jeune, mais t'étais déjà ancien. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était quoi la première voiture c'est ancienne? C'était une Chevrolet 61 en 82. Ah oui. T'as pas si vieille, mais, non, bon, mais quand ça même. Paraissait vieux en 82. Oui, ça, effectivement. Mais avec le temps, ben, ma voiture allait quand même très bien, mais je pouvais pas en réparer pour les autres parce que j'avais pas de crédibilité, j'étais trop jeune. OK.
J'ai mis ça de côté. J'ai fait 30 ans dans l'industriel comme mécanicien sur la route de charrier-élévateur. OK. Mais au bout de 30 ans, je commençais à être lassé de ça. Et puis, je me suis loué un petit local. Puis, je me suis dit que j'étais pour finir mes jours tranquille, tout seul, dans mon petit local qui n'était pas vraiment grand, à faire une réparation. Là, c'était pas ici. On dit c'était pas ici, ça. Non, c'était pas ici. Puis, tranquille, en faisant un de temps en temps. Puis, finalement, on est rendu 6. Puis, Guy, ton rôle ici, parle-nous-en un peu. Moi, c'est à peu près un peu la main droite à André. Je supporte pas mal tout ce qu'il fait ici. Je fais aussi une particularité qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup d'esthétique sur les voitures anciennes. Okay. On est capable de garder la voiture, son look ancien, mais la mettre pas mal plus belle. Bien, c'est ça. Puis ça revient à ce que tu me disais tantôt quand on se parlait avant le début de l'entrevue. Ce qui est important ici, c'est que tout est à l'origine. C'est l'origine, ouais. Si tu avais un moteur 6 volts, tu ne mettras pas un 12 volts. Donc, l'idée, c'est de ramener l'auto et, si possible, la peinture, conserver à l'état d'origine. On va même prendre quelques exemples. J'invite les gens à venir avec nous. On va aller voir quelques projets que vous avez faits puis donner des exemples concrets du genre de travail que vous faites sur les voitures. Bon, mais si on parlait d'exemple d'authenticité tantôt, souvent les gens vont remplacer des pneus d'époque qui est en nylon par des pneus radio en pensant faire une bonne affaire. Ouais. Vous avez réalisé au garage que finalement, les pneus d'époque sont encore la meilleure chose pour mettre sur le véhicule d'époque. Explique-moi pourquoi. Bon, c'est sûr que là, il y a des gens qui vont saigner des oreilles avec ce qu'on va leur dire, là. Mais il reste que la qualité du pneu radial devient un défaut. Sur ces voitures-là. C'est-à-dire que le flanc du pneu radial est mou, ça absorbe, c'est correct, c'est confortable, ces choses-là, mais le pneu radial, étant donné qu'il est mou, faisait valser l'auto, on était toujours obligé de corriger, même si la voiture était parfaitement en ordre mécanique. Oh, ouais, tout le reste était correct, sauf les pneus. C'est ça. Quand on a, à un moment donné, on finit par réaliser que les pneus étaient notre problème, on a décidé de prendre une chance, faire venir des pneus en nylon, malgré le prix et l'erreur qu'on pouvait peut-être faire. Puis on était vraiment, vraiment ravis du résultat, au-delà de ce qu'on en espérait. OK. La voiture est devenue beaucoup plus précise. Coup de vent, camion qu'on croisait ou ces choses-là, le véhicule restait beaucoup plus droit. Puis contrairement à ce que les gens pensent, ça fait pas tant la couleuvre que ça, là. Mais ce véhicule-là, lui, en avait des pneus en nylon. On vient juste les remplacer. Il y avait exactement le même numéro, la même marque, sauf que les pneus avaient 25 ans. Ouais, c'est ça. Il faisait la couleuvre. Là, maintenant, avec des pneus neufs, il ne fait plus la couleur. Fait qu'il faut aussi voir la date puis la période dans laquelle les pneus ont été installés. Ah, c'est un bel exemple. Oui, oui, c'est un bel exemple. On a réalisé qu'on n'a pas toujours une solution moderne à une vieille voiture. Non. C'est un peu comme il mentionne. Oui, les pneus radio, c'est meilleur. Oui, c'est meilleur sur une Toyota Corolla 2020. Mais là, on parle d'un 56. Là, on va aller voir, parce que des fois, on commence des travaux puis on se rend compte qu'il y a des travaux dans les travaux dans les travaux. Bien sûr, oui. On va aller voir ça. Tout de suite. Bon, messieurs, vous avez un projet en marche. C'est un Dodge Brother 1927, voiture très rare. Puis voiture canadienne, en plus, faut le préciser. Ça, c'est encore plus rare. Puis dans la famille depuis 1931. Donc, la même famille a cette voiture-là depuis 1931. Ah, c'est intéressant. Puis là, on vous l'a amené en vous disant quoi, là? De remettre le moteur en marche. Ça faisait déjà plusieurs années qu'il était arrêté. OK. 20 quelques années, je crois, qui est arrêté. On a eu, évidemment, quand ça fait 20 ou 25 ans que c'est arrêté, généralement, tout y passe, c'est-à-dire les freins, le réservoir d'essence, carburation, moteur. Puis lui, il était pas, c'était pas une exception, tout était à faire. Mais on s'est aperçu en cours de route que le moteur, pour l'enlever, il fallait enlever la carrosserie. Fait que on a enlevé la carrosserie pour pouvoir avoir accès facile au moteur. OK. Mais par la suite, une fois la carrosserie enlevée, on s'est rendu compte qu'il y avait des défauts sur le châssis, des défauts sur la tringlerie de freinage, etc., etc. Fait que finalement, on est en train de le restaurer au complet. Là. Faut pas oublier que certaines voitures, ils ont 50, 60, 70, 100 ans d'historique mécanique bien faite ou mal faite, dans le fond. T'sais, pas nécessairement mal faite, mais dans ces années-là, il n'y avait pas un amour à la voiture. Fait. C'est à réparer pour que ça fonctionne. Fait que quand on le remet en marche puis on veut le remettre en état original, on découvre, on fait de l'archéologie mécanique, on découvre ça, beaucoup de choses qui n'ont pas l'affaire là. Fait qu'il faut le remettre en ordre. Puis Guy, on parlait tantôt d'exemple de peinture. C'est ça, c'est un bel exemple parce que malgré les presque 100 ans de la voiture,
la peinture est encore correcte. Ouais, donc, vous êtes en train de regarder si on ne pouvait pas ramener la peinture, beauté, la beauté originale de la peinture. C'est ça, de la vieille peinture. Au lieu de tout, comme je mentionnais, toute la déshabiller, enlever la peinture, puis après ça repartir à zéro, puis enlever son caractère, bien, on est capable de juste en faire un bon polissage, de ressortir le maximum de beauté de l'existant. Ouais. Et c'est là que ça fait une belle voiture qui a encore l'air vieux, qui a encore l'air d'avoir beaucoup d'histoire dans le voiture. Ça, un projet comme celui-là, André, là, si on regarde ça, avant de ramener ça à un état correct, on met combien de temps? En général, ce qui gère le temps d'une rénovation de voiture, c'est relié au budget du client. Okay. Si le client n'a pas de contrainte de budget, bien, on peut se concentrer 40 heures semaine sur un véhicule. Mais là, à un moment donné, pour la plupart des gens, ça, le temps qu'ils digèrent les bouchées, les grosses bouchées, ouais. Bien, des fois, on le met de côté. Fait que, tu sais, si on prend, par exemple, un véhicule qu'on a fait un pick-up il y a quelques années, un Dodge 50, on l'a eu 4 ans au garage, mais on n'a pas travaillé 4 ans dessus. Non. C'est sûr qu'au début des projets, on a tout le temps, je dirais pas une entrevue, mais une bonne discussion pour lui faire comprendre que, en général, quand ça rentre ici, ça devient émotionnel. Il n'y a rien de rationnel ici. Non, c'est clair. C'est zéro rationnel. Fait que, on leur fait comprendre, justement, comme André mentionne, les projets vont partir, un petit projet va devenir grand très rapidement. Y a-t-il un truc qu'on peut donner aux gens qui achètent une voiture d'époque, disons, qui a besoin d'amour? Il y a deux choses très importantes. Si tu n'as pas le budget pour une bonne voiture, j'ai pas dit belle, si tu n'as pas le budget pour une bonne voiture, t'as encore moins le budget pour une voiture qui est pas bonne. Ouais. D'où que c'est extrêmement important de faire inspecter... Avant l'achat. Ça, le commentaire, le vendeur, il voudra peut-être pas. Bon, s'il veut pas, bien, c'est une bonne raison de pas acheter l'auto. Ouais. L'autre commentaire qu'on a eu, « Ouais, mais le char est en Gaspésie. Ça va me coûter 800 $ ou 1 000 $ de remorquage. » Oui, mais le char est 40 000 et plus. Ouais. Si le char est pas bon, ben ça t'aura coûté 2 000 $ pour en sauver 40. T'sais. Je dis au moins, il y a moyen d'avoir un véhicule avant achat ici, de faire l'inspection, puis là, après ça, au moins, il n'y a pas trop de mauvaises surprises, parce qu'on a fait une Corvette 58 il y a 4 ans. Le client nous emmenait ça pour une fuite d'essence ou une fuite d'huile à frein, je pense. Puis finalement, on a changé le châssis. Ça a pris 2 ans pour rénover cette auto-là. On a fait le moteur, l'embrayage, la transmission différentielle, les freins. On a refait beaucoup de fibres de verre en dessous. Puis on a mis un châssis flambant neuf d'un gars des États-Unis qui fait une reproduction de châssis de Corvette. Okay. Parce que le véhicule n'était pas roulable de cette façon-là. Il avait été bricolé, mais le client ne savait pas. Ça a été un petit peu plus cher qu'à prévu. Ça a été plus cher qu'à réparer une fuite, oui. Bien, messieurs, en tout cas, merci de votre temps. Ça a été très apprécié. Plaisir. Puis si vous voulez une voiture remise à l'origine, on s'adresse à Fitzback Garage. C'est bien parfait, ça. Merci. Merci. Là, Christian, j'ai un problème. Hier soir, je voyais plus rien, mes phares sont jaunis. T'es obligé d'être avec une spotlight pour voir en avant. Là, je fais quoi? Est-ce que je scrappe l'auto ou je change mes phares? Ben écoute, ça arrive pas du jour au lendemain, mais effectivement, il y a des produits qui existent pour restaurer les phares. Donc, on va venir polir le... OK, mais attends, t'es en train de me dire que ça, je suis capable de faire ça avec mes phares. Effectivement. Donc, ça, c'était avant. Et maintenant, c'est après le polissage. Donc, à ce moment-là, ça nous permet de garder les pièces d'origine. Ah, bien oui, c'est sûr, c'est certain. OK. Donc, la solution Novus 321, c'est des produits qui existent depuis plus de 50 ans. Ça a été élaboré par nos chimistes, nos ingénieurs mécaniques qui ont inventé, évidemment, la réparation des pare-brises, mais également les polisseurs à plastique. Est-ce que vous êtes un pionnier dans la réparation des pare-brises? Exactement. OK. Sinon, vous pouvez l'amener dans des ateliers. Les ateliers Novus vont avoir des professionnels pour l'affaire. OK, parce que vous l'offrez, ça? On peut aller directement dans les Novus... Et vous offrez le service de polissage de phare. Effectivement, c'est des choses qu'on fait quotidiennement. Mais là, je regarde le format des bouteilles, mais tu n'as pas besoin de tous ces produits-là pour faire tes deux phares avant? Non, effectivement, on peut faire plusieurs phares avec ça. Et aussi, il y a d'autres applications. Donc, tout ce qui est acrylique, plastique à la maison, on peut l'utiliser. Fait que je peux faire des CD? Oui. Des télécommandes de jeu? Oui. Des casques? Oui. Des bateaux? Oui. Des toits de cabrio? Oui. Des plexiglas? Oui. Des présentoirs? Oui. Un frigidaire? Non.
Ben écoute, définitivement, ça va me coûter moins cher que changer mes phares. Je pense que oui. Ben merci, mec. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, à notre chronique historique, on va parler de la ceinture de sécurité. Il y a eu plusieurs ancêtres à la ceinture de sécurité. Il y a eu des améliorations. En fait, le premier parent d'une ceinture de sécurité, c'était un harnais qui était destiné aux avions, qui avait été inventé par George Cayley, qui est un physicien et un expert en aéronautique. Et c'est à partir de ce harnais pour les avions qu'on a développé des systèmes similaires pour l'automobile. En fait, le 10 février 1885, Edward Claghorn a déposé pour la première fois un brevet pour une ceinture de sécurité automobile destinée en priorité aux taxis de New York. En 1896, le même type de harnais avait servi pour la première fois en France dans la course Paris-Marseille-Paris. Donc, les taxis, les courses automobiles. Mais c'est en 1903 qu'un Québécois, Gustave Désiré Lebeau, a déposé un brevet pour des bretelles protectrices pour voitures automobiles. On ne parle pas tout à fait d'une ceinture, mais c'était le même principe. Il y avait des points d'attache et ça retenait le conducteur. On peut attribuer l'invention de la ceinture de sécurité moderne à Niels Bohlen. Niels Bohlen, c'est un ingénieur suédois qui travaillait pour Volvo. On le sait, Volvo a toujours été synonyme de sécurité et d'innovation. Et c'est ce système-là qui a été développé dans les années 50. Et pour la première fois, on a retrouvé dans un véhicule une ceinture de sécurité trois points, donc avec l'épaulière et tout. Et Niels Bohlen, il a laissé libre de droit le brevet de son invention pour que le plus de gens l'utilisent parce qu'il savait qu'on pouvait sauver des vies. On passe de 1959 à 1976 parce que c'est pour la première fois en 1976 que l'obligation a été votée de porter la ceinture de sécurité chez nous, au Québec. Ça, c'était pour les passagers avant. Il a fallu attendre jusqu'en 1990 pour voir l'obligation de s'attacher derrière. Et ça a pris beaucoup de temps avant que les gens s'habituent à s'attacher. Il y a eu des campagnes, il y a eu beaucoup de publicité. Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe. Mais croyez-le ou non, ce n'est pas encore tous les gens qui sont obligés de s'attacher. Les chauffeurs de taxi en sont exemptés et des gens qui ont certaines conditions physiques peuvent aussi le demander. Mais pour beaucoup de gens aujourd'hui, ne pas s'attacher, ça fait pas de sens. Alors voilà, merci d'avoir été avec nous et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. La semaine prochaine, à l'émission... Oh, fait que là, peux-tu essayer ça, ce char-là? T'as mon tour! T'as mon tour! C'est le deuxième modèle de la GT2 RS. Le premier était sorti en série 997. Oui. J'en ai eu une, d'ailleurs. OK. J'aurais jamais dû vendre ça. C'est une des erreurs de ma vie.